l'ancien propriétaire, il avait déjà doublé le mur avec des panneaux de bois. Mais voilà, apparemment, le doublage ne permet pas d'avoir une bonne isolation phonique. Ce qui a été réalisé, en plus, le doublage du mur ne monte pas jusqu'en haut. Nous sommes dans des appartements avec une hauteur sous plafond de 2,80 m, avec des angles arrondis, ce qu'on appelle des anses de panier. Ça, c'est typiquement dans la région. Nous avons beaucoup d'appartements sur Marseille réalisés comme ça, avec des angles de panier, des angles arrondis au niveau du plafond. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son panneau. Donc il a laissé cette retombée qui n'est pas doublée. Hein, nous allons refaire une penderie sur le mur d'en face avec une joue en béton cellulaire, avec les portes mais repeintes sur le mur d'en face. Sur ma chaîne YouTube ou Instagram, ou les deux, YouTube et Instagram, ainsi que visiter mon site internet obtravaux.fr. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo sur obtravaux.fr et mes chaînes YouTube et Instagram. Merci à vous, merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.